This is really a historic moment as we enter the next phase of the movement. Ceci est vraiment un moment historique pendant que nous rentrons dans la deuxième phase du mouvement de pouvoir parler de l'enracinement des jeunes et de leur relâchement pour pouvoir aller travailler les 4-14 ans. Il y avait une histoire similaire il y a quelques années de ceci. Quand Dieu est rentré en alliance avec Abraham, parlant de susciter une génération, il n'était pas juste en train de parler d'Abraham de pouvoir créer une grande nation. Et vous rappelez seulement qu'Abraham, à part sa réponse particulière, il prenait attention à pouvoir enseigner les enfants et aussi sa maison, de pouvoir suivre le Seigneur. Et donc, la bénédiction de cette alliance va continuer. C'était une alliance et qui était une alliance intergénérationnelle qui passait par toutes les générations. Il y avait une histoire narrative. Quand Dieu a senti que le temps s'y rapprochait, était prêt pour que la nation d'Israël doit rentrer dans la terre promise. Et au milieu de beaucoup de choses que la nation traversait, de pouvoir regarder dans plusieurs aspects de la vie, et sont pouvoir rentrer dans la terre promise pour pouvoir bénéficier pleinement de ce que lui a fait comme promesse, au milieu de toutes ces histoires, ces instructions qu'il a données, en continuant les promesses qu'il a fait aux individus comme à toute la collectivité. Dans la deuxième parole, de Moïse, sur le plan de Moab, il est venu au point où de pouvoir instruire les parents. Venir à un endroit où il va dire, à part de se déplacer comme un corps, de pouvoir manger comme... Il y a des rôles spécifiques et des responsabilités qui nous ont été assignées à la famille, parlant de l'assemblée et de la famille en particulier, et une instruction très claire qui a été donnée à la famille. Pas seulement que nous avons besoin de faire certaines choses pour pouvoir réussir dans la terre promise, dans la terre de promise. Mais nous avons voir la famille en train de faire une bonne chose, la chose juste. Même si nous suscitons en tant que groupe pour pouvoir susciter une génération de 4-14, pas seulement à l'évêque, mais nous autres en mesure de pouvoir tenir et de voir jouir de la prospérité du pays. Mais maintenant, en tournant de toute la congrégation assemblée, Moïse a regardé aux familles maintenant et il a dit, après de tout ce que nous faisons tous ensemble, à part cela, vous devez faire quelque chose au niveau de la famille spécifiquement. Vous devez vraiment éduquer vos enfants, vous devez enseigner ce que vous avez appris et vous devez veiller à suivre vos enfants. Pressez-vous à pouvoir les enseigner avec diligence les voies de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le contexte de la foi, c'est de pouvoir renforcer la foi que chaque enfant a, qui va grandir dans cette terre promise et qui va continuer à pouvoir jouir des bénéfices de cette terre promise. Il a dit que vous devez de façon diligente enseigner vos enfants. Ouais, pourquoi? Que chacun d'entre vous est positionné pour pouvoir faire ce qu'il a reçu, pour pouvoir équiper. Vous n'avez pas des excuses à présenter. Numéro un, vous avez des relations avec vos enfants. Vous avez une proximité. Vous avez des moments où vous pouvez enseigner. Vous avez la maison. Vous savez, il disait dans Deutéronome chapitre 6, versets 6, 8 à 9, il dit, les circonstances sont là pour vous. Vous avez la proximité, les relations, les temps pour l'enseigner. Vous pouvez voir les routes. Quand vous mettez là-bas, quand vous êtes éveillé,
Il n'y a personne dans le comité qui n'a pas pu reconnaître ce moment-là. C'était vraiment le moment où vos enfants sont prêts pour pouvoir rencontrer. Vous devez vraiment vous mettre toutes ces circonstances-là pour pouvoir faire la vérité, en focaliser sur l'attention sur Jéhovah Dieu. Vous, les parents, êtes là. Et c'est vous qui devez vous assurer à ce que vous allez continuer pour diriger ces enfants et les enfants après vous. Il y a aussi ce patron de... Il a dit de Deutéronome chapitre 6, verset 6, que ce commandement, vous devez écrire ça au linteau de votre maison. Vous devez mettre ça, pas seulement que vous allez le mémoriser. De pouvoir mettre que vous aimez le Seigneur de tout votre esprit, de toute votre âme et de toute votre force. Pas seulement cela, mais d'être en mesure de pouvoir impacter, de les enseigner, de pouvoir garder cela, mais de pouvoir les impacter avec ces vérités. L'impact doit être si effectif, pas seulement pour vos enfants, mais ils vont prendre quelque chose avec eux, qui vont mettre cet impact sur eux, qui va être sujet pour la génération future aussi, qui devait le voir. Et un autre temps, l'apôtre Paul, vous savez que c'est une lettre séculière à l'église chrétienne, comment nous devons vivre notre vie. Il avait écrit ces trois livres-là sans option doctrinale. Et la deuxième partie de ces trois chapitres qui parle de la vie pratique de la vie chrétienne pratique, regardant un peu à ce qui a besoin d'être fait, comment nous devons vivre en tant que membre du corps. Éphésiens chapitre 4, il a dit, verset 1, il dit, menez une vie digne de votre appel que vous avez reçu. Mais au milieu de tout cela, vous avez besoin et que aussi vous focalisez sur la famille. Et aux parents, il dit aux parents, aux pères, chapitre 6, verset 4, Père, éduquez vos enfants dans l'éducation et l'instruction de Dieu. Il ne demande pas à la communauté de pouvoir éduquer vous, parents, maison. Vous voulez vraiment citer les 4-14, non? Vous, à la maison, chez vous. Parce que pendant que nous sommes là, il y a des moments où nous pouvons enseigner que l'Église n'aura pas ce temps-là, par exemple. Les 2 heures que nous passons à l'Église, ça ne suffit pas pour l'Église de faire cela. Mais les parents, nous avons nos maisons, nous avons l'environnement, nous avons les relations. Nous sommes là. Nous savons qu'avec nos adolescents, si ça va ou pas, nous le connaissons. La façon dont ils travaillent, nous savons quels sont les changements dans lesquels nos enfants, les adolescents dans leur vie. Et parce que nous sommes tous là, Dieu est en train de nous dire, vous êtes responsable de les éduquer. C'est vous qui êtes premièrement responsable. L'Église est là, bien sûr, pour vous former, vous autres. Dans le verset 4, chapitre 4 de Éphésiens, et verset 12, Éphésiens 4, 12, l'Église est là avec tous les dons de pouvoir équiper les saints pour le travail, pour le perfectionnement des saints. Et c'est pourquoi nous sommes là-bas. L'Église doit pouvoir supporter les maisons. Mais vous savez quoi? C'est plus un appel pour les parents. Nous devons reconnaître cet appel là pour les parents, sa vérité. Et des fois, nous oublions ceci. Et nous oublions de faire la dispute de divinité à la maison. Nous oublions de la juridiction à la maison. C'est vrai, l'Église nous donne cette juridiction pas des choses, sur la communauté des croyants. Vous savez, c'est une autorité spécifique qu'on nous a donnée pour la famille. C'est le place où les parents, c'est vous qui êtes premièrement responsable pour créer, façonner la vie et la foi de l'enfant. Et l'Église, qui est le corps du Christ, est là pour pouvoir équiper ou pour pouvoir éduquer ou former les parents. Ça, c'est la juridiction. Mais la famille, vous êtes là pour pouvoir éduquer les enfants, les modeler, pour pouvoir suivre la voie du Seigneur. Parce que les parents, à cause de leur position, c'est quoi mes frères et sœurs qui sont ici, qui est ici plutôt,
les deux institutions primaires que Dieu a mises en place pour faire avancer son royaume, nous avons besoin de reconnaître qu'il y a quelque chose qu'on appelle la juridiction, que nous ne pouvons pas nous... Nous ne pouvons pas éviter, nous ne pouvons pas rejeter. Si nous sommes ministres dans une église, dans l'histoire de l'Église, et nous rencontrons de nouvelles façons de faire le ministère. Et nous parlons de façon globalement aujourd'hui. L'Église est en train de prendre le dessus des responsabilités qui doivent être de l'apanage des parents. Et nous vivons dans un monde très corrompu. Nous appelons ça un monde très corrompu et dirigé. Ils vont dans des endroits où nous ne devons pas aller. Les parents sont responsables de l'éducation des enfants. Je ne vais pas rentrer dans les raisons historiques, mais nous avons besoin d'aller à une autre phase de notre mouvement 414. Donc, je veux juste me poser la question de savoir comment est-ce que nous, ici, vous savez, c'est une chose d'impliquer nos parents ou nos régions, de pouvoir aller sauver les enfants et de pouvoir les mettre dans un environnement où nous pouvons créer des impacts sur eux. Mais c'est une autre chose que de dire aux parents que vous avez besoin d'équiper, d'enraciner vos enfants, vous avez besoin de les enraciner, de les relâcher. Je suis père de deux enfants, deux garçons, et parce qu'en tant que chrétien, nous parlons aux gens en nous disant, Mathieu, je veux dire à votre deux garçons de pouvoir... Je vais dire oui, je vais voir qu'il devait ceci, mais dans ma pensée, si vous pouvez dire ce que je voulais atteindre comme objectif, je veux que professionnellement il parvienne à faire ceci, de avoir un bon salaire, de vivre une bonne vie sur la terre, avoir une belle maison. Je dirais oui. Mais si il me dit quel est le plan que nous avons pour que l'enfant puisse parvenir, pour être dans la priorité du royaume, pour aller. Je crois que ça, c'est une autre façon de la réponse serait autre, parce que ce n'est pas notre priorité. Je crois que c'est là où j'ai besoin qu'il est temps pour nous de pouvoir partager le temps ensemble, de pouvoir comprendre qu'il est très vital pour nous de comprendre le facteur famille dans notre mouvement. Parce que si nous ne faisons pas cet aspect de délégation de l'autorité au niveau de la famille, nous allons juste renverser les choses. Et ce serait notre erreur d'avoir failli de ne pas le faire. Nous avons besoin d'être nos partenaires stratégiques. Continuez pas à les persuader que nous avons besoin d'aller dans telle direction. Parce que nous savons aussi que parlant comme globalement parlant, etc., de voir là où se trouvent les besoins, les manques, etc., à l'intérieur de l'Église, de pouvoir éduquer les parents qui vont pouvoir prendre la capacité de. À leur tour, de pouvoir éduquer les adolescents de 4 à 14 ans dans leur maison. Nous avons besoin d'une famille de la fenêtre 4-14. Et cette famille a la capacité. Mais je vais voir de pouvoir mettre ensemble des systèmes d'éducation au niveau de la famille pour pouvoir susciter ces générations-là. Je crois que l'Église doit venir à un point où on doit reconnaître que qu'il y a des choses dans la famille actuellement auxquelles nous faisons face qui sont vraiment des problèmes très cruciaux. Vous savez, aujourd'hui, il y a des statistiques là qui font peur. Nous voyons beaucoup de situations dans lesquelles où les enfants sont exposés à des risques aujourd'hui dans tous les pays. Ce n'est pas seulement les pays développés, partout. Il y a de l'évidence. Il y a des attaques sur nos familles, etc., de partout. Et comment est-ce que nous pouvons éduquer les adolescents, les enfants de 4 à 14 ans pendant que nos familles sont en train de souffrir, sont en train de sujet sur des divorces où les gens sont découragés dans les familles, etc. Il y a un manque cruel de leadership à la maison. On abandonne la famille.
Et un papa, le papa n'est pas à la maison. Et nous ne pouvons pas être ensemble. Ça, c'est cet endroit où je prends le livre des Éphésiens, chapitre 5. Il y a le problème, plusieurs, c'est ceci. Nous devons venir à un point où nous devons réfléchir à ce que j'ai partagé quelques minutes et de réfléchir comment est-ce que nous pouvons regarder à un segment de l'Église. Je suis très content que ce mouvement a toujours été très clair. Clairement, toutes les rubriques sur Ecclésia, ça c'est sur la parole de Dieu, ça veut dire sur l'Église. Et c'est une bonne chose. Mais comment est-ce que, au niveau de l'Ecclésia, la famille pouvait avoir son rôle à jouer? Et je suis très content que les enfants dont les parents ne sont pas à l'Église, par exemple, les orphelins, peut-être comment nous pouvons. Nous pouvons accompagner ces orphelins qui ont même été abandonnés par d'autres aussi. Dieu dit, comment Dieu, les gens vivent seuls là-bas dans les familles. Alors, il y a quelque chose que vous avez besoin d'apprendre dans l'esprit familial. Je vais vous dire que c'est vraiment difficile de pouvoir perdre le dynamique de l'amour parental. Et chaque orphelin qui vient de la famille, qui doit pouvoir être grandi et être éduqué. This is quite an ambitious thought. We need a four. Ça c'est vraiment une ambition. Nous avons besoin d'une famille 4-14. Nous avons besoin des parents 4-14. Mais nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas aller de l'avant sans un partenariat stratégique qui va nous aider à pouvoir aller de l'avant. Et qui va nous permettre de pouvoir faire mouvoir notre mouvement. Si je dois répéter le mot. Nous avons besoin des congrégations. Où nous avons les ressources disponibles afin de pouvoir les partenariats avec l'Église, nous en tant que famille, de pouvoir susciter une génération. Éphésiens 4 dit que ceci dit que chaque partie joue son rôle. Ceci est très intéressant. Dans les décennies à venir, il y a des dizaines, des centaines de milliers de leaders dans le monde, des organisations dans le monde qui ont répondu à ce besoin important de la famille dans le monde. Parce que, à cause de cela, je veux dire que l'Église n'est pas tellement préparée. N'ont pas eu toute l'infrastructure pour reconnaître les corps de Christ, s'il vous plaît. Ces organisations ont des ressources vraiment importantes, travaillant de façon possible de pouvoir remettre les choses ensemble à l'intérieur de l'Église. Ils n'ont pas très bien fait la mission. Je crois que ceci est un moment très crucial pendant que nous reconnaissons le rôle de la famille. Pas de venir à un endroit où nous mettons comme dans un puzzle, mais que nous voyons la famille comme un créneau de fait du ministère et de pouvoir chercher des moyens de pouvoir supporter la famille et de chercher d'arriver à un endroit où nous allons voir leur place qui, dans le règne de Dieu, dans la contribution, dans la santé de la famille. Et ceci exige de la famille de venir ensemble de reconnaître ceci, le bien fondé de ce que je dis, pour pouvoir établir le leadership dont ils ont besoin pour qu'ils puissent reconnaître là où se trouve leur faiblesse, là où ils manquent. Et je voulais poser une question. Quelle est la dernière fois que votre Église a fait une enquête pour voir quels sont les besoins de la famille dans le corps? Et vous ne savez pas, comment est-ce que alors vous allez répondre à ce problème? Vous allez commencer un ou deux programmes pour pouvoir répondre à cette situation. Mais ces programmes ne seront peut-être pas trop suffisants. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, que vous ne pouvez pas utiliser la plâtre.
Vous ne pouvez pas utiliser la plâtre pour pouvoir couvrir une plaie qui saigne. Non, on ne fait pas ça. Vous devez penser à stratégiquement à ce qu'il faut faire pour répondre à la situation. Je vais finir avec cette idée. L'idée, c'est ceci. Si ce mouvement est prêt, nous sommes prêts à aller de l'avant. Nous avons besoin de considérer sérieusement sur le lieu de la place de la famille. Comment est-ce que nous pouvons bâtir cette famille-là afin qu'ils puissent être partenaires avec nous, afin qu'ensemble, et dans ce partenariat, et que nous pouvons avoir du succès. Que le Seigneur nous bénisse. Pendant que nous, de façon brave, avec bravoure, nous prenons le poids pour aller de l'avant et de chercher à équiper nos enfants, à les enraciner dans la parole et à les relâcher en tant qu'Église pour qu'ensemble, avec la famille chrétienne, nous puissions l'avoir au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse.